faire partie d'un festival concret pour probablement qui va commencer fin mai, qui va être à la fois in situ et virtuel, qui s'appelle WAR, Art solidaire, Art ensemble, etc. Libre de toute programmation jusqu'au 16 juin. Et permettre aux artistes qui ont travaillé pendant le confinement de pouvoir exposer, en invitant aussi des sociologues, des gens qui viennent faire des talk shows, des gens qui viennent faire de la musique, soit virtuellement, soit physiquement. La réalisation d'une fresque aussi commune aux 10 artistes de la galerie. La semaine prochaine, on aura probablement édité une dizaine de masques différents, toujours avec l'inspiration des œuvres des artistes, donc sur Dalla Negra, Chris Pointner, qui est l'artiste assez emblématique en ce moment, puisqu'il a imaginé la ville prise par la nature, qui est un petit peu un panacé, ce serait extraordinaire que la nature reprenne le dessus. Ça ne veut pas dire que l'homme aurait disparu, ça veut dire qu'on serait arrivé finalement à un bon équilibre. Les mettre à disposition de nos collectionneurs, et puis probablement offrir le produit de la vente, enfin, les bénéfices, à une association qu'on n'a pas encore déterminée. Ça peut être Anne Romanoff, Nicolas Hulot. Je suis assez optimiste parce que je pense qu'on a un rôle à jouer qui est considérable aujourd'hui. Et puis on a bien sûr des collectionneurs et des amis, parce que la galerie n'est pas faite que pour les collectionneurs, elle est faite pour les gens qui regardent, parce que sans regard, rien n'existe, qui sont extrêmement solidaires et qui nous encouragent à continuer ce travail. On va être simple. On se dit, voilà, l'art est important.